Salut à tous, c'est Mister Freeze, donc on se retrouve pour cette 51ème vidéo. Je me trompe pas. Donc la dernière fois je vous avais quitté au village de Shaman, voilà, en haut pour récupérer un djinn. Donc à côté il y avait une herbe folle, on pouvait trouver en faisant cyclone. Oula. Qui nous donnait du poivre. Enfin bon, ça c'est pas important, c'était juste un petit détail. Et donc là je vous retrouve directement ici en fait. Et on va aller au mont Magma qui se trouve ici, donc le dernier des quatre montagnes. Enfin la dernière plutôt. Ou le dernier des quatre montagnes. Enfin, voilà. Alors il faut pas que je me trompe de route. Alors ici il y a un petit endroit qui ne sert à rien du tout. Voilà. Donc c'est la colonie de Gondowan. Mais ça sert à rien. Ça c'est juste un petit endroit pour le faire en fait ici. Voilà, toute magique ça sert à forger. Bon, et quelques petits trucs quoi, quelques petits objets, mais ça sert à, dans l'ensemble ça sert à rien en fait. Voilà, il y a une petite maison où il n'y a rien dedans. Il y a des pierres, on va faire vision pour voir s'il n'y a pas des objets dessus. Voilà. Voilà, ça c'est juste une petite colonie pour le fun quoi. Donc on a un endroit totalement inutile hein. En clair. Voilà, c'est fun, y'a rien. Voilà, parce que là on est quand même sur Gondowan, donc là où il y avait le Kimombo. Sauf qu'on est complètement de l'autre côté du continent quoi. On est là et Kimombo c'était par là. Donc là on va aller ici. Alors on va reprendre le bateau. Et on va continuer par là. Oula, je fais un gros lag. Donc, c'est rien, vous inquiétez pas, ça arrivera pas souvent. Je sais même pas si vous l'avez vu le lag d'ailleurs. Et hop. Et nous voilà au mont Magma. Donc on est obligé d'avoir l'équipe de Vlan avec nous. Sinon j'aurais déjà fait avant. Donc c'est ici qu'on va obtenir notre dernière synergie de feu. Je ne sais même plus ce que c'est. Je sais même pas si c'est une synergie de feu en plus. Donc comme d'habitude on doit d'abord aller au sommet avant de faire la suite. Donc là on va devoir équiper absolument exploser, sinon c'est nous qui allons faire exploser. Non c'est pas pour ça, mais pour les énigmes en fait on va l'utiliser énormément. Donc. Donc là comme dans tous les autres montagnes ben, on doit d'abord aller en haut. Sauf que là c'est spécial, c'est qu'on rentre par le haut en fait. Le bas c'est la sortie en fait. Alors je vous avoue que je connais pas le chemin par cœur, donc je vais un petit peu faire au pif. Donc les ennemis sont pas trop faibles. On pourrait même dire qu'ils sont assez forts. Il y a des ennemis qui donnent énormément d'XP ici. C'est les phoenix. Donc on en retrouvera un modèle plus puissant plus tard dans le jeu d'ailleurs, des phoenix. Il y en a trois sortes, si je ne me trompe pas. Voilà, on retourne ici. Voilà, après il suffit d'attendre. Voilà, et au bout d'un moment il explose. Voilà. Donc il y a un djinn de feu à récupérer ici, notre avant-dernier. Le dernier se trouve dans le phare de Mars, si je ne me trompe pas. Ça c'est Bourgeon. Bourgeon qui est une ville de Pokémon. Donc allez voir les vidéos avec Delmix. Ah voilà, bon ça c'était vraiment bien sympa. Je parle d'un truc qui n'a strictement rien à voir avec le jeu là, mais voilà, j'ai vraiment bien apprécié faire ça avec Danny. Si vous voulez entendre des conneries à longueur de vidéo, bah, allez voir les vidéos sur le compte de Danny.
Même si vous aimez pas que Pokémon, hein, c'est pas grave, parce qu'on en parle pas. Enfin si, vite fait, je crois qu'on sort beaucoup de conneries. Niveau de build, donc ça sert à rien. Enfin, pas grand chose. Bon, je vais l'utiliser pour le fun. Toute l'huile là, c'est pas du prévu. C'est bien. Enfin, pas le temps de l'utiliser. Vous allez voir même que les dernières armes de Dina, dont la lame Gaïa, vont tenir vite à ce matin. Inutile. C'est qu'on ne pas pour donner. Voilà, alors ouais, on remonte. Je vous avoue que je vais totalement, mais alors totalement au pif. Hein. Je sais pas du tout ce que je fais. Ce que je suis sûr ici, c'est que c'est pas linéaire, il y a plusieurs chemins, du coup je sais pas par où quoi. Un petit truc. Ah, l'avantage c'est qu'on peut utiliser les synergies des autres. Pour pas nous bouffer nos LP. Pas du tout si je joue au bon endroit. Tout ce que je fais c'est que sur la montée du de la montagne comme ça du mont, il y a un jean à un moment. Oh, je me fais encore spammer là. Apparemment je prends le bon chemin, je pense, jusqu'ici. Donc ce mon magma ne va pas être faire une seule vidéo, hein, parce que ça va peut-être pas faire au point de recherche où j'avais vraiment fait que de la merde. Je faut l'avouer. Merde. Ouais. C'est vrai qu'à recherche j'avais vraiment... Je m'étais pas préparé. Bon là non plus je me suis pas préparé. Mais c'est déjà moins chiant en fait. Parce que je peux faire ce mont là que en recherche. Au cher, c'est un de ceux que j'aime le moins, et puis en plus j'avais oublié de faire plein de trucs. J'ai un peu tourné en rond. Bon, là vous avez le temps de boire un café. Voilà. Ouais, une fois qu'on met le truc sur le truc gris, même si on change d'écran, il réapparaît. Donc si je me trompe pas, c'est ici qu'il y a un jean. Ouais. C'est qui qui a ça déjà? Qui est-ce qui a la petite énergie? Je suis pas trop l'intérêt du truc hein, en fait. Allez d'accord. Oula, ça m'a l'air d'un beau bordel, pour être poli. Faudrait que je récupère le coffre aussi. Il faut se dépêcher quand même. Voilà. Je sais pas du tout si je vais au bon endroit. Hein. Aller par là, ouais. Je récupère le coffre quand même, je crois que c'est ici. Oh putain, mais la chance quoi. La foire. Un truc qui sert à rien du tout. Donc bon, il est possible que je loupe des coffres, hein, mais bon. Comme vous le voyez, ils sont pas tous très utiles.
Bah au moins si je vous les montre comme ça vous savez s'il faut y aller ou pas quoi. Voilà. On va monter. Bon pour l'instant ça va, je suis pas trop paumé. Ah, peut-être que je pense à me soigner aussi du coup. Parce que là ta bête il va marcher. Ah oui, alors pour info, même les personnages qui ne sont pas dans l'équipe gagnent quand même des de l'expérience. Ils en gagnent pas moins d'ailleurs, je crois qu'ils en gagnent autant que les autres. J'espère que je dis pas de conneries. Alors, est-ce qu'il faut aller par là ou en... On est plutôt aller à droite, ouais. Ici ça sert à rien. Ah ouais c'est ça. Je sais pas si je redescends ou quoi. Donc j'ai loupé un coche, je vais vous le montrer quand même. Bon désolé je perds du temps mais... Il fallait pas que j'aille là tout de suite en fait. Karakov, j'aimerais vous le montrer, je sais pas ce qu'il y a dedans mais... Enfin c'est un truc bien, hein. Ce serait con de... que vous le voyez pas quoi. D'ailleurs toi tu vas me... soigner, voilà. Merci. Ok. Bon ouais. Donc non, en fait je retire ce que j'ai dit, fallait bien passer par là. Et allez une perte de temps encore. Alors je crois que quand on monte comme ça, on peut pas se payer d'ennemis en fait. Oui je sais, c'est un peu con ce que je dis, ça sert à rien mais. Comme ça vous êtes au courant. Ah oui alors là. Merde, je sais pas ça qu'il fallait faire. Donc là en fait il fallait bouger d'abord le... Ah oui d'accord, bon. Bon ils vont pas s'en sortir comme ça. Donc je vais essayer d'aller le plus vite possible, hein, mais comme je vous dis je connais pas par cœur. Et je préfère pas regarder d'avance ce qu'il faut faire parce qu'après bah, ça gâche le suspense. Ah bah bien. Donc lui il a une arme très utile dans ce donjon vu que c'est une relique qui fait des dégâts d'eau. Et encore cette arme soit elle fait un dragon soit elle en fait deux donc faut s'imaginer les dégâts quand il y en a plusieurs. Et voilà. On va aller par là. Faire déplacer ici. Non mais j'ai plus le truc aussi. Pour tourner en arrière. Je vais faire un petit truc. Voilà. En général ça marche pas ce truc parce que moi je vois pas la différence dans un contre aléatoire. Mais bon. Voilà. Alors par contre à quoi ça sert d'aller là? Ah bah pour redescendre. Oui je suis con. Alors. Merde. Vous voyez il y a autant de rencontres aléatoires que quand on fait pas esquiver. C'est bien que tu fais de la merde. Voilà poulet. Bientôt au sommet là. Je sais plus si ouais. Donc, je crois que ça va me tomber sur la gueule ce truc, je sais pas pourquoi. Alors là il faut monter sans se prier les trucs en fait. Et en plus je crois qu'il faut prendre le bon chemin parce qu'on peut tomber sur des. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a des trucs qui nous font tomber en plus.
Quoi que non, c'est dans le manga, ça. Voilà. Ouais, je sais pas où ça mène, ça. Ça doit être pour un coffre, je pense. Je sais pas si je le fais maintenant ou... Non. Ah, voilà. Donc, c'est ces ennemis-là qui nous donnent énormément d'expérience. Parce que déjà, bon, de base, ils donnent beaucoup d'expérience. Mais en plus, ils ressuscitent les autres ennemis. Ce qui fait que quand il y a plusieurs phénix, bah, ils se ressuscitent entre eux et ça nous donne d'expérience en plus à chaque fois, en fait. Parce qu'un ennemi ressuscité, bah, c'est comme si on l'avait tué. Vu qu'on l'a tué deux fois, bah, il donne deux fois d'XP. Vous voyez, 4000. Et il est tout seul, là. Là, il est tout seul, alors vous voyez le truc. Voilà, donc là faut pas exploser sur la flamme. Ouais. Donc j'ai oublié un coffre là-bas, bon c'est pas grave. Je pense qu'il y aura un spécial. Voilà, et maintenant on peut enfin rentrer dans le monde magma. Mais avant, bon je dis c'est pas grave mais j'ai quand même envie d'aller rechercher le coffre. On a dit je perds plus de temps à faire esquive qu'à esquiver les monstres. Alors voilà. Et, voilà, je fais esquive il y a un monstre, putain mais c'est vraiment de la merde ce truc. Putain, il y a toujours plein de dragons. Je vais me dépêcher un peu. Alors, voyons voir ce qu'il a. Est-ce que ça sert juste à descendre ou il y a vraiment un truc? Bon, je prends le risque de descendre et de perdre du temps. Hein. Enfoiré! Putain. Il n'y avait rien. Attendez, il y a peut-être un truc. Non, ouais, en fait je vais vous dire, cet endroit c'est juste pour faire ça, comme ça si on veut remonter plus vite la prochaine fois qu'on vient, mais on reviendra pas donc... Bon bah désolé de ce contre-temps, je remonte. Ah salaud. Il fait chier lui à faire ses reliques à chaque fois, il fait pas. Bon je vais me brouiller ou je vais péter un peu. Bon. Ah. Bon bah désolé, en fait, il fallait rentrer directement. J'aurais pas dû faire demi-tour. Ouais, en fait, ça a du bon des fois de louper sa vidéo et de la recommencer, parce que on perd moins de temps la deuxième fois. Là, c'est moi qui m'ai mis à faire beaucoup. Un peu débile aussi, il nous coupe deux routes et puis il n'y a rien dans l'autre route, alors moi je croyais qu'il y avait un truc. Pas bon, vous me pardonnerez j'espère. C'est mec. Bon. C'est un truc, j'ai dégueulé partout. Là-bas. Alors voilà. Bah écoutez. Je vais vous quitter ici. Voilà. Donc nous voilà au mont magma. Clac. Et ben je vais vous quitter ici. Et vous allez voir que ce mont magma est assez chiant parce qu'il va falloir remplir de lave et enfin mettre la lave, enlever la lave. Enfin, vous allez voir c'est chiant. Quoi. Donc ben je vais essayer de voir ça et pas faire trop de la merde quoi. Donc salut à la prochaine. Puis manger du gâteau au chocolat c'est bon pour la santé.